Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va apprendre à étudier le signe d'une expression affine de la forme ax plus b où le coefficient a est non nul, b peut faire 0. Comment tu dois faire? La première chose à faire, tu cherches là où ton expression affine s'annule, donc tu es amené à résoudre une équation. Ax plus b égale à 0, d'accord? A et b te seront donnés. Moi je t'ai fait la résolution générale, mais je suis contre apprendre les formules, il n'y en a pas besoin pour ce cas-là. J'ai trouvé moins b sur a, et donc cette solution particulière, l'unique valeur qui annule ax plus b, ben tu la reportes ici, au milieu de ton tableau que tu réalises bien sûr. Donc en première ligne, ta variable qui va aller pour une fonction affine de moins l'infini à plus l'infini, hein, pour une expression affine. Ici, moins b sur a, on vient de dire, c'est la valeur qui annule ton expression ax plus b, donc tu mets ici un 0. Ensuite, eh ben, il te suffira de regarder le signe du coefficient a, attention, celui qui est devant x, la variable, et tu mettras ce signe à droite du 0. Donc s'il est positif, tu mettras un plus, et là un moins, et sinon le contraire. Alors je te propose de faire pause, et de chercher ces deux exemples que je t'ai faits. Alors voilà, donc tu les as faits, donc le premier que je te propose, eh bien c'est 2x moins 6. Quel est le signe de cette expression affine 2x moins 6? Premièrement, ben on cherche là où s annule. Donc 2 fois combien moins 6 égale 0? Je pense que tu es capable de le faire de tête, sinon n'hésite pas, tu poses la résolution de 2x moins 6 égale à 0. Je t'affiche donc la résolution, voilà. Ensuite, eh bien donc, si mentalement tu es capable de le faire comme moi, tu trouves 3, 2 fois 3 moins 6 fait bien 0. Sinon, tu poses la résolution, tu ajoutes 6 des deux côtés, donc 2x doit faire 6, et tu divises par 2 des deux côtés, ça, tu retrouves bien ton x fait 3. Ainsi, eh bien, tu peux maintenant construire ton tableau. Et donc, je te rappelle, ta variable x va aller de moins l'infini à plus l'infini. Tu mets entre la valeur particulière jouant un rôle, c'est-à-dire ici 3. Pourquoi? Parce que 2x moins 6, c'est annulé pour cette valeur 3. Et ensuite, eh bien, tu regardes le coefficient devant x, c'est un 2, c'est positif. Et donc là, là où je mets mon laser à droite, c'est positif. Voilà, j'ai fini le signe de cette expression. Deuxième exemple, tu as moins 5x plus 11. Et là, ben, tout de suite, c'est un peu plus embêtant pour le faire de tête. Et bien, il n'y a pas de problème. On va poser et la résolution de moins 5x plus 11, quand est-ce que ça fait 0? Donc, je t'affiche la résolution. Tu résous donc moins 5x plus 11 égale 0. Voilà. Et donc, ça donne, eh bien, j'enlève 11 des deux côtés. Moins 5x doit être égal à, du coup, moins 11 à droite, 0 moins 11. J'ai moins 5 fois l'inconnu, je divise par moins 5 de chaque côté, de façon à avoir x tout seul à gauche. Du coup, à droite, ça donne moins 11 sur moins 5, c'est-à-dire 11 cinquième. Et c'est parti. Et bien maintenant, on complète ce tableau avec ce qu'on vient de trouver. X va aller de moins l'infini à plus l'infini. Valeur particulière qui annule cette fonction affine, cette expression affine, 11 sur 5. Je n'ai pas beaucoup de place. Et donc ici, je mets un petit 0. Pourquoi? Parce que x égale 11 cinquième, suis bien mon laser, si x fait 11 cinquième, l'expression que je vais mettre là va faire 0. C'est-à-dire, je vais mettre l'expression moins 5x plus 11. Maintenant, je fais bien attention, le coefficient devant x, il est précédé de moins 5. Donc ici, je mets un négatif. Voilà. Alors, je vais te faire deux petites remarques. La première que je t'affiche tout de suite, c'est de faire bien attention. C'est source d'erreur pour beaucoup de nos élèves. Là, voilà. Quel tableau est le bon pour le tableau de signe de 6 moins x? Tu vois? Donc, 6 moins x de tête, je prends un exemple simple, ça s'annule bien pour 6. D'accord? 6 moins 6. Donc, pour x égale 6, cette expression fait bien 0. Tu remarqueras qu'ici, on retrouve la même chose. Quelle est la nuance? C'est qu'ici, il y a moins et là, il y a plus, alors qu'ici, il y a plus et là, il y a moins. Il y en a une des deux qui est fausse. Alors, fais attention, les élèves ont tendance à prendre le coefficient du premier qui lui vient, hein, alors que cette expression, en fait, affine, le coefficient de x, c'est moins 1. Et donc ici, il faudrait mettre un négatif, donc ça ne peut pas être ce tableau, c'est faux, archi faux, ce qui est ici, donc je te le barre, ce tableau est archi faux, et le bon, ben, c'est l'autre, tu regardes bien, 6 moins x, si tu veux, tu peux le réécrire dans un autre sens, c'est moins x plus 6, et donc le coefficient étant moins 1, c'est normal d'être là. Maintenant, dernière petite remarque, c'est quoi le sens de ce tableau? Il faut bien comprendre que ça a quand même du sens. Je te l'ai expliqué, par exemple. Eh bien, tu vois, ce tableau-là qu'on vient de faire qui est bon, si x est ici, c'est-à-dire, traduction, il est plus grand que 6, alors, eh bien, cette expression affine va varier en valeur, mais va toujours donner des résultats négatifs. 6 moins x sera toujours
strictement négatif. Et exactement la même chose, lorsque x est plus petit que 6, ça sera toujours positif, et quand x fait 6, ça s'annule. Voilà.